Bonjour, Amanda. Connor, contente de te voir. Ton prédécesseur a malheureusement été détruit. Il savait que les déviants pouvaient être imprévisibles, mais il n'a pas été assez prudent. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Je n'en ai pas l'intention. Quand un modèle Connor est détruit, sa mémoire est transférée dans le suivant. Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus. Évite de te faire détruire. Ça vaudra mieux pour toi et pour le cours de l'enquête. Je comprends. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Il aurait pu tuer tout le monde dans la pièce. Le précédent Connor aurait dû anticiper le danger. C'était une grave erreur de poster un policier armé aussi près du déviant. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Je pense qu'il est irritable, et plutôt misanthrope. Mais je pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Je ferai mon possible pour établir une relation amicale. Si je parviens à gagner sa confiance, ça facilitera l'enquête en cours. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté et mets un terme à tout ça. Fais vite, Connor. On manque de temps. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. J'ai attention dans l'article. Cette foutue machine aurait pu flinquer tout le monde dans la pièce. Dennis Riggs a dénoncé une provocation intolérable à laquelle il convient de réagir. Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Et si on a du bol, on le verra avant midi. Merci.
Bonjour, lieutenant. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. La vache, je t'ai vu te faire dégommer hier soir. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais Cyberlife m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement. Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. Oh, bordel. Hank ! Dans mon bureau ! Tous les jours, je reçois 10 nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries ? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en androïde, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul ! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi ! J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique ! Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix ! Tu es lieutenant de police ! Tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule ! Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule, hein ? Ok, ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman ! Putain de merde ! Cette discussion est terminée ! Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi ? Tu sais à quel point je déteste ces merdes ! Pourquoi tu me fais ça à moi ? Écoute, j'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Je suis très heureux de rejoindre votre équipe. Je peux vous assurer que je ferai de mon mieux... Tu fermeras la porte en sortant. Bonne journée à vous, commandant. Il nous faut vraiment un avis de l'expert. Ok, je vais trouver ça. Je comprends que la destruction de mon prédécesseur ait pu vous troubler, lieutenant. Je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise pas. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là n'est pas occupé.
Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Le labo pense qu'ils les ont coupés avec un truc. Peut-être qu'ils préparent. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. Il nous faut vraiment... J'aime le chien. Comment s'appelle votre chien? J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Sumo. Il s'appelle Sumo. Connaissez-vous le commandant Fowler depuis longtemps? Ouais. Trop longtemps. Je me demandais, arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci, lieutenant? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les burnes, ok? Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau, fais-toi plaisir. Dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça ne dirait pas d'aller te faire foutre. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé Lon hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. Thank you.